I had to harken back to New Orleans, back when you dated that drama queen, to remember the last time that I saw your face. Vous êtes sur une commune de la vallée d'Ouail, la plus haute commune, une des plus hautes communes des Pyrénées. Vallée d'Ouail, Ouail qui veut dire en patois mouton-brebis. C'est une vallée où c'est qu'autrefois il y avait beaucoup d'animaux, beaucoup de brebis. Et aujourd'hui, bon, les troupeaux, il ne reste que deux troupeaux sur la vallée. Nous sommes des éleveurs depuis quatre générations sur le village de Bourdouay, qui avons bénéficié de la transhumance vers la plaine en hiver, et aujourd'hui vers la montagne par les éleveurs de plaine, qui nous permettent d'entretenir cet environnement que vous avez devant vous. Alors ça, c'est très important. Dans un cadre aussi magnifique, il est logique que le touriste puisse avoir cette façon de voir. L'émission, c'est le suivi d'environ 140 à 150 éleveurs de la chaîne pyrénéenne pour la production de cet agneau de qualité, l'agneau des Pyrénées. Ces éleveurs qui ont choisi de produire cet agneau sous la marque Agneau des Pyrénées respectent un cahier des charges bien précis, qui garantit au consommateur une traçabilité entre la mère, la brebis et son petit. Le petit qui est ensuite retrouvé dans l'assiette du consommateur. Ce produit restera un produit de qualité et sera donc produit au rythme donc de la transhumance dans nos estives pyrénéennes. Le consommateur recherche un produit, des produits régionaux, produits locaux. Et comme nous avons beaucoup d'éleveurs, qui sont dans le coin de Luchon, ils sont ravis de pouvoir manger un produit qui fait partie de notre campagne, de notre pays, quoi. Le supermarché, les restaurateurs sont des vecteurs de communication des produits régionaux, locaux, et nous sommes tout ce petit monde-là dans la même dynamique et la même logique de proposer et de mettre en avant les produits régionaux. Merci.